Voilà tout le monde, c'est Toxic, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. On est reparti à nouveau pour un petit live sur Dragon Quest Builders 2, environ 2 heures comme d'habitude. Alors qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Et ben la dernière fois, on est arrivé dans cet endroit pour récupérer des pierres un petit peu spéciales que je dois avoir quelque part dans mon inventaire. Des diamants, car rien que ça. Donc j'en ai récupéré quelques-uns. Que voilà, 10 diamants. Et ça va nous permettre de faire certaines choses. On va remonter à la surface vu qu'on en a fini ici. Et on va pouvoir du coup avancer sur le dernier niveau du Bardor. La fin de cette île doit a priori approcher si on suit un petit peu au cheminement de la première île. Alors, on remonte à la surface. Salut Marmarthe, comment vas-tu? Bonsoir à toi. Il faudra que je regarde un petit peu ce qui se passe ici d'ailleurs. Je n'ai pas encore visité cet endroit. Au moins avant de me sauver de cette île. Alors. Ah tiens, il y a un certain nombre de choses ici. On va rien crafter. Tiens. Non, un coup de grisou toxique. Mes yeux me jouent des tours ou c'est vraiment des diamants que t'as là? Prodigieux, Kling Kling. Moi qui ai cherché des diamants partout pendant toutes ces années, jamais je n'aurais cru, je vais y arriver, en voir de mes propres yeux. Ils sont encore plus beaux que je ne l'avais imaginé. Oh, bâtisseur, dis-moi que tu vas me fabriquer un tas de jolies choses. Bling bling avec. Les jolies choses bling bling. Quoi que ce soit, devront t'attendre. Il faut qu'on utilise ces diamants pour apporter la touche finale au Bardor, pas vrai toxique? Attends encore un peu, la construction est pas tout à fait terminée. Ensuite, ce sera à toi de prendre le relais. Moi, je parie qu'elle est terminée, la construction. Hop là. Voilà. Bah écoute, ça va pas mal, Marmarthe. Et toi? Impeccable. Voyons voir ce que ça donne un petit peu de joli. Hop, pour dézoomer un minimum. Ah, il est vraiment stylé. Comment on fait un zoom arrière? Alors, zoom dégagé, oui. Non, zoom, ok, c'est ça. Là, je peux pas zoomer moins? L'arnaque! Hop là! En filtre. Hé hé. Alors, où est-ce qu'il est? Il est ici ou pas? Non, il doit être en haut. Ah ouais, je suis censé monter comment là? Bon. Tu as dit que ce soir c'était EL, après ce n'est pas très grave? Comment? Pas compris. Zelda, ouais, normalement je devais faire un Zelda, mais en fait je suis un peu crevé ce soir. Et comme je sais que j'ai un deuxième temple à faire et qu'il va me falloir un petit peu réfléchir, je t'avoue que j'avais pas trop la force là. Donc ce sera certainement demain du coup. Demain ou peut-être après-demain.
Félicitations Toxic, le bar d'or est achevé. Rien ne me ferait plus plaisir que de te voir apporter la touche finale. Mais avant ça, Malroth m'a dit que tu avais trouvé des diamants et que tu avais eu l'idée de fabriquer des gantelets dorés. Il m'a dit que tu comptais les donner à Bougre d'or pour en faire une espèce de super arme. J'en ai pas cru mes oreilles. Vous autres bâtisseurs ne cesserez jamais de m'émerveiller. Peut-être qu'on aura une chance de vaincre Méduseuil cette fois-ci. On dirait que ce métal mystérieux que j'ai trouvé par hasard il y a toutes ces années va enfin servir à quelque chose. Mais pour ça, il faut qu'on arrête de causer que tu fabriques ces gantelets dorés. Donne la bougre d'or dès que tu auras terminé et on sera prêt à affronter l'observatrice. Hop là, hop là. Hop là. Je dissimule l'épreuve. Hello, monsieur Vador, comment tu vas? Alors, les gantelets, ils sont tous. Ouais, ça fait un bail que je t'ai pas vu. Tu vas bien? Les gantelets doivent être là, non? Et dans quoi faut les crafter, ces gantelets? Je suis pas du tout au bon endroit, c'est ça? Ah, si, ils sont là. Yay! Quoi ça, toxique gantelet doré? Moi pouvoir combattre Méduseuil avec, rapporter espoir, faire revenir Babs, ça pour moi? Bah oui, je te les donne. Merci, moi prêt, toi donner ça à moi maintenant. Maintenant, moi bloquer sort de pierre de Méduseuil. Moi pouvoir combattre Méduseuil. Je m'attendais pas trop à ça. Toxique, toi être très intelligent, toi créer chose utile. Oui, c'est vrai. Longtemps avant, habitant d'île, vouloir devenir riche, extraire beaucoup de métal, mais humain cupide et devenir méchant. Mais humain pas méchant au début, eux devenir mauvais parce que perdu rêve. Humain besoin de rêve, rêver être riche, construire avenir. S'il te plaît, Toxique, toi vaincre Méduseuil. Toi lever malédiction de pierre, toi construire un avenir bientôt. Et toi apprendre français. Bon, maintenant que Bougre d'or manie les gantelets dorés, on a peut-être une chance de vaincre Méduseuil. Si on réussit à la vaincre, Bougre d'or retrouvera ses forces et fera revenir l'âge d'or à Ocharmon. En plus de ça, l'observatrice est l'un des gros bonnets des héritiers de Chaos, alors si on l'élimine, l'île sera peut-être libérée de l'emprise de ce culte. Donc c'est peut-être la fin de l'île. Hein. Mais quelque chose me turlupine. On a fini de construire le bar d'or, mais Méduseuil n'est toujours pas apparu. Serait-on passé à côté de quelque chose? Si quelqu'un peut savoir ce qui se passe, c'est bien toi, Toxic. Tu as une idée? C'est pas le moment de jouer les timides. Il faut apporter la touche finale au bar d'or et sauver Babs. Bah oui, il manque les diamants. Une tête de golem. Réplique remarquable de la tête éblouissante d'un golem d'or. Allez. Regarde, Toxic, on a suivi ton plan de construction au bloc près. Mais j'ai comme l'impression qu'il manque quelque chose, je sais pas quoi, mais ça doit être important. Je parie qu'un bâtisseur comme toi devrait pouvoir apporter la touche finale, la BRL sur le gâteau, comme on dit. Une tête de golem, c'est une idée d'enfer, ça pourrait même être l'emblème de la taverne. Alors c'est pour ça que t'avais besoin de diamants? T'avais prévu ça dès le début, pas vrai? Dans ce cas, il est temps de fabriquer cette tête. Pour ça, combine de l'or et quelques diamants, ça devrait marcher. Vas-y mon garçon, fabrique cette tête et place-la bien à la vue de tout le monde. Ça fait longtemps que je suis pas passé à cause des vacances. Ah d'accord, ok, t'étais en vacances, t'es parti. Tu vas devoir battre Méduse. Oui, Marmarthe, je vais devoir la combattre. Normalement, c'est très très bientôt, incessamment sous peu. Plein.
Alors, où est-ce que je dois la poser? Je pense tout en haut. Ici peut-être? Ah, j'ai vu. J'ai vu l'endroit où je suis censé poser le truc. Ok. Ah d'accord. C'est carrément très grand en fait. Je m'attendais pas à un aussi gros truc. Fantastique. C'est trop stylé. En fait, le truc en entier, ça fait un golem finalement maintenant. Je te souhaite bonne chance, même si je sais pas si c'est dur. Non, je pense que je vais m'en sortir. Le Bardor a enfin un visage. Bougre d'or et les trois tavernes sont bien de retour. J'ai hâte de voir la troisième île en fait. Et je suis pas sûr que ce sera pour cette pour ce live. Ça sera peut-être le prochain parce qu'à mon avis il y aura d'abord une île entre guillemets optionnelle où on va trouver des matériaux pour notre île de l'éveil. On va voir. On va voir. Allez, Méduseuil. Ah ouais, c'est les yeux du golem qui sont en diamant en fait. Ouais, ça va être maintenant là. Bardor fini maintenant. Mais pourquoi me ressembler? Je pense pouvoir répondre. En tant que gardien de la mine, tu es important pour cette île. C'est une manière pour Toxic d'honorer ta contribution hors pair. Comme c'est beau et si étincelant. Méduseuil ne va pas résister à l'envie de le changer en pierre. L'observatrice sera bientôt là. Vous pouvez nous croire. Et quand ce sera le cas, il faudra frapper vite et fort. On ne doit pas se laisser surprendre. Et si on a... Et si on arrive à la terrasser, Bougredor retrouvera ses pouvoirs et Babs redeviendra normal, c'est ça? A priori. Toxic, je dois t'avouer quelque chose. Je suis un lâche, hein, vrai. Quand les monstres sont arrivés, je suis le premier à être parti me cacher. Mais j'en ai ras-le-bol. À partir de maintenant, je vais prendre l'épée et sauver ma fille. Même si je dois y laisser ma peau. Il a raison, nous devons le faire pour Babs. Finiad, fini d'avoir peur des monstres. Nous ne savons peut-être pas combattre, mais la fureur peut nous faire frapper fort. Tu peux compter sur moi aussi, tout monstrophobe que je suis, c'est pas ça qui va m'empêcher de sauver ma petite Babs adorée. Et moi donc, je ferai tout pour faire revenir Babs, même si je dois y passer. C'est ça l'amour, le vrai. Et je suis là aussi, je serai son chevalier servant en armure et je la sauverai de la pétrification pour obtenir ses faveurs. Ouais, j'essaye d'être énergique, ouais. Ah, ça fait plaisir de voir que vous avez repris du poil de la bête. N'oubliez pas pour qui vous faites tout ça et c'est sûr qu'on gagnera. J'aimerais bien adapter aussi ma voix par rapport au personnage. Et des fois c'est un peu dur parce qu'on sait pas trop qui parle. Ça m'est déjà arrivé de le faire et de donner une voix grave à une fille qui est censée, je pense, avoir une voix beaucoup plus aiguë quand tu regardes le personnage. Moi sentir ennemi approcher, tout le monde se préparait. Ah, ça y est, c'est la baston. C'est la baston qui arrive. Où est-ce qu'ils vont tous là? Ok, ils vont là. Est-ce qu'on filerait pas quelques épées à quelques personnes? Tiens, toi, prends une épée. Je vais fabriquer des épées. Ça, je peux même en faire une autre de fléau des dragons. Bon, j'en fais certainement trop des armes là, mais... Donner. Hop, ouais. Hop. Ouais, je lui avais filé la mienne ou quoi? Alors. Lui il a peur, lui il a peur, lui il a peur, lui aussi. Ils ont tous peur en fait. Lui il en a déjà une. Tiens, prends une épée toi. Lui il en a pas. Mais ils ont tous peur! Lui, il en a pas. En fait, c'est tous ceux qui sont, entre guillemets, debout, le dos droit, qui sont courageux et à qui on peut donner une arme. En plus, j'en avais déjà donné une. Ok. Et lui, il en a une aussi. Parfait. On dirait qu'une nouvelle vague de monstres approche. Je parie qu'ils sont ici pour démolir notre Bardor flambeau neuf. Et mon petit doigt me dit que Méduseuil ne doit pas être bien loin. On a attiré son attention et je sens qu'elle va tomber dans le panneau.
Mais avant de s'occuper d'elle, il faut d'abord qu'on dégomme ses sbires. Un instant. J'ai éteint le ventilo parce que... il souffle un peu trop. Mais avant de s'occuper d'elle, ouais, il faut d'abord qu'on dégomme ses sbires, ok? Comme tu n'es pas très énergique, je vais te faire... quitte. Je quitte à écrire mes romans. J'ai pas compris. Ça me rappelle que Barnabé et certains des mineurs voulaient combattre à nos côtés. Veille à ce qu'ils soient bien armés ou ils vont se faire massacrer. Alors Toxique, on part filer une raclasse et monstres? Course qu'on y va. Génial, toi et moi, on part devant. Moi aussi combattre, pour Babs, pour sauver Babs. Allez, le dernier combat avant le boss, a priori. Ah non, cassez rien, hein. Je les vois, ils sont rentrés d'un coup. Je me demande si le dernier monde, ça va pas être basé sur la défense. Parce qu'on n'a pas eu encore les... tout ce qui est construction de défense, les herses, les pics, tout ça, quoi. Je vais t'embêter à faire lire les romans, sinon c'est pas vrai. Ah, t'inquiète. Waouh, je me suis fait avoir. On va prendre une bouffe qui va augmenter la puissance d'attaque. Celle-ci. Ah, ils ont cassé un truc. Les salopards. Je garde volontairement le coup de grâce pour la prochaine vague. Hein. On dirait Zelda mais RPG. Ah oui, c'est normal qu'on dirait Goku ou Vegeta. C'est parce que c'est Akira Toriyama le designer. Enfin, je crois que c'est lui pour cet épisode aussi. Ah oui, il faut faire autre chose, il faut le casser. Ouais, il y a un dragon. Alors, soignons-nous. Tu connaissais pas la licence Dragon Quest, Monsieur Vador? Moi je la connais que depuis peu. Hein. Je la connais que depuis peu. J'ai pas de feuille de soin. Bon. Je vais les laisser combattre, hein, tranquillement. Comme un traître. Voilà. Ah putain, ils ont cassé les trucs qu'il y avait ici. Ah, c'est un problème ça. C'est un problème parce que c'est ça qui me permettait de transformer ces feuilles en feuilles de soins en fait. À 20h je vais devoir te quitter parce qu'il y a Michou en live et comme je l'aime bien, je vais regarder. Ouais, y a pas de soucis, t'en fais pas. Des bérels ou des pictaya? Allez hop, on va bouffer les bérels. Non, je disais, Monsieur Vador, tu connaissais pas la licence Dragon Quest? Impeccable. Et un niveau 1. Ah, niveau 19. Il va m'en manquer un pour le niveau max. Bouclier de fer. Super ça.
Certainement, Marmart. Je suis sûr que quand tu sortiras une bombe, Scorpio arrivera. Hourra, nous battre ce sbire de l'observatrice, nous gagner. On n'a pas encore gagné, il nous reste un gros morceau, le combat final contre Méduseuil. Mais moi, lent, pas bon, toxique, être meilleur. Toi, monter sur mon dos, bloquer regard de Méduseuil. Toi, dire, moi, quand, utiliser gantelet doré, bloquer sort, battre Méduseuil. Moi, prêt, quand toi, prêt, toxique, toi, dire à moi, monter, nous combattre ensemble. Minute papillon, on a un petit truc à faire avant. La ville a pas mal souffert pendant le dernier combat. Attends un peu qu'on répare les dégâts. Et je vais me faire plein de feuilles de soins aussi. De nom, mais après... Ah d'accord, ouais, tu connaissais pas Dragon Quest. Moi, ça, comme je disais, ça fait pas longtemps que je connais Dragon Quest. Ça doit faire à peu près un an. Je connaissais pas avant, enfin, pareil de nom. Et je m'en suis un petit peu intéressé, donc il y a à peu près un an. Sur le premier Dragon Quest Builders, d'ailleurs. Voilà, avec ça, je vais pouvoir regener tranquillou. On va virer l'inutile. Voilà. Alors... T'es prêt à dégommer Méduseuil, Toxique ? Je crois que Bougre d'Or va avoir besoin de toi cette fois. Tu ferais mieux de grimper sur ses épaules et de te préparer au combat. Alors, avant ça, j'ai un autre truc à crafter, j'ai failli oublier. C'est ça. Alors, sur le premier, c'était un petit peu différent, Marmart, en fait. Déjà, il y avait beaucoup moins de bâtiments, on pouvait construire beaucoup moins de choses. C'était très petit. Genre le carré qu'il y a en bas et encore, ben là où j'ai construit en bas, c'est tout ce qu'il y avait. Après, il n'y avait pas genre la zone qu'il y a là-bas, plus le truc en haut. Et puis, il y avait beaucoup moins de personnages dans les villages. C'était pas vraiment des villages, du coup, c'était un... C'était taudis, on va dire. Hein. Ok. Montez. Pour être confortable, Toxique. Maintenant, nous prêts à combattre Méduseuil. Nous gagnons ensemble, nous sauver Babs. Malrot, emmener les autres combattre. Toi, dire Malrot, nous prêts. Ensuite, nous battre Méduseuil ensemble. Ok. Donc ça a quand même fort bien changé. Ouais, 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 ça a beaucoup changé et en bien. Ah, pas mal, Bougre d'Or. L'humain que tu portes te va comme un gant. Allez, Toxique, c'est bientôt l'heure du combat final. Méduseuil arrive, je le sens. Prêt à la terrasser. Yes, c'est parti. C'est Babs qui nous a secouru quand on est tombé dans ce trou, tu te souviens? Et maintenant, c'est elle qui a besoin de nous. Alors on lui doit bien ça. C'est drôle, pas vrai? Quand on est arrivé ici, tout le monde avait peur des héritiers de Chaos. Mais maintenant qu'il faut secourir Babs, ils sont tous prêts à mettre leur vie en danger pour affronter Méduseuil. Il faut croire qu'ils tiennent vraiment à elle. Il est de pouvoir monter sur le golem en or, c'est clair. C'était quoi ce sentiment déjà? Je me souviens plus. Peu importe, on y est, Toxique. C'est le moment de vaincre Méduseuil et de porter un coup aux héritiers de Chaos. La mine. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai l'intro, Monsieur Vador. En fait, je la mets pas souvent, ça dépend quand je monte les vidéos et tout ça. D'habitude, je les monte pas, les vidéos là, je fais des coupes, en fait, des vidéos. Et je les fais via un logiciel plutôt que de passer par YouTube, parce que c'est trop compliqué de couper à un instant T, en fait. Tu peux pas mettre de fondu, tu peux rien faire avec YouTube. Tout ce qui brille, tout ce qui étincelle, il faut le détruire. Il capte toute l'attention, agresse mon œil, je vais tout transformer en pierre, tout. C'est mon devoir de destruction. Chaos veut tout détruire. Il veut tout voir détruire. Détruit. Je vais y arriver. Quand Méduseuil utilisait sort de pierre, moi renvoyé avec gantelet doré. Nous placer en face de Méduseuil pour envoyer sort. Frapper Méduseuil. Faire bobo à Méduseuil. Alors carré. Ok. Carré pour envoyer. Ok. Donc là. Si je fais ça, ça marche. Hop là, impeccable.
D'accord, elle invoque des monstres. Ça va pas être compliqué, je pense. En plus, avec le golem, à mon avis, c'est comme le bouclier d'Ilia, c'est clair. C'est clair, Marmart. Oula! C'est quoi ça? Le petit serpent qui sort du sol là. Je pense qu'il fallait... Ah non, il fallait juste que je tape les serviteurs. Non, 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 c'est pas du tout le boss final du jeu, Marlarpa. Il reste encore au moins une île. Ah, je pense que ça, il faut que je le détruise. Hein. Combien de phases? Aucune idée. Je découvre totalement. Ça a pas l'air compliqué, à moins que ça change du tout au tout. Loupé. Beaucoup de boss sur une île, combien en tout? Un seul. En tout cas des vrais boss. Ah, je suis trop court là. Impeccable. C'est ça, c'est le boss final de cette île. Méduseuil vouloir piéger toi. Une seule être vraie, autre illusion. Autre illusion, toi bien regarder. D'accord. Je sais où elle est partie. Faut peut-être flinguer. Des monstres rejoignent le combat, ok.
On a eu encore un renvoi, ça va être bon. Ah, je vais quand même passer niveau 20 avec ce combat finalement. J'ai pas compris la dernière phrase de Marmart non plus en fait. Bouger et esquiver les attaques aériennes. Ok, pourquoi pas. Allez, go! Salut Scorpio, ça va? Un cœur joyau! On a réussi Toxique, on a vaincu Méduseuil. C'est quoi ce truc qu'elle a laissé tomber quand on l'a achevé? Ça avait l'air précieux, peut-être que ça pourrait nous servir à lever la malédiction de Babs. Toxique, oh Toxique! T'as battu Méduseuil pour nous et bientôt je vais retrouver ma petite Babs adorée. Oui Toxique, tu nous as libérés du joug de cette affreuse créature. Les héritiers de Chaos n'ont pas leur place ici, host! Nous allons pouvoir souffler un peu. On a réussi à se débarrasser de ces monstres. Mais c'est pas encore le moment de faire la fête. Babs est toujours pétrifié, il faut qu'on fasse quelque chose. Pas de soucis, Marmart, à plus tard, bonne soirée. Et sinon, t'as fini le chapitre 3 ou 4 de Fire Emblem hier, c'est ça? Non, pas du tout, Scorpio. Je vais t'expliquer dans un instant. Oh Babs, ma chère et tendre Babs, reviens-nous par pitié que je puisse te compter la bravoure dont j'ai fait preuve avec mes alliés au combat, pour ton salut. Et quel bito, il s'est planqué. Pour pouvoir sauver Babs... Moi pouvoir sauver Babs, mais moi devoir faire quelque chose. Comment ça, Bougre d'or? Ne réponds pas, enfin, pas avant qu'on ait réparé les dégâts. Méduseuil a fichu un sacré bazar. Ouais, vite fait. En fait, il y avait un combat entre, enfin, dans le chapitre 3 que je pouvais répéter. Donc j'en ai profité pour monter un petit peu mes troupes parce qu'elles étaient trop trop light. Et ça m'a appris aussi un petit peu à les maîtriser. La base a retrouvé tout son prestige. Méduseuil vaincu maintenant, grâce à toi. Mais moi toujours pas avoir toutes mes forces. Moi t'avoir dit que besoin de métal pour retrouver force. Cuivre, argent, or, moi besoin encore d'une chose. Moi besoin de cœur joyau, Méduseuil avoir volé à moi. Nous lui reprendre. Joyau redonner éclat à moi, et moi sauver Babs. Te répète mon gros. Toilé à établi de fer, combine cœur joyau avec lingot d'or, d'argent, de cuivre, fabriquer éclat doré, me donner force. Ouais, du coup, il y avait une espèce de... Enfin, il y avait un champ de bataille niveau 5 et un autre de niveau 7. Donc j'ai fait deux fois celui de 5, je crois, et j'ai réussi à faire celui de niveau 7 aussi. Mes troupes, elles ont un petit peu augmenté. Donc voilà. Demain ou après-demain, je ferai la suite du coup du chapitre 3 et je combinerai les deux vidéos pour la rediff, je pense. Il me reste la bataille en faire, la bataille du chapitre 3 à faire a priori. Toxique, toi avoir fait éclat doré, incroyable.
On va utiliser ça pour retrouver mes forces, moi, remplir mine avec métal, sauver Babs. Tu vas donner éclat d'or à moi? J'ai presque envie de dire non, là, tiens. Merci, moi, pouvoir sauver Babs, maintenant. Assez discuté, c'est le moment de faire revenir Babs. Et ce n'est pas tout, une fois que Bougre d'or aura retrouvé tous ses pouvoirs, la mine va se remplir de bling bling à ras-bord. Cling cling. D'ailleurs, j'ai avancé un peu dans Fire Emblem, mais je pense que le combat qui risque de te poser problème se trouve chapitre 5 ou 6. Mec, tu vas voir. Je vais être trop powerful au chapitre 5 ou 6. Merci tout le monde. Vous donnez beaucoup de métal à moi. Beaucoup aidez-moi. Moi, rien faire sans vous. Moment venu, mais vous devoir savoir une chose. Alors, vous utilisez éclat doré, moi disparaître. Hein? Pour de bon, tu veux dire? Disparaître, mais pas mourir. Faire partie de Bardor. Remplir mine de métal pour lever malédiction de Bab. Pas possible autrement. Mais Bougodor, vous pas triste. Moi vouloir ça pour tout le monde. Moi Babs, pour Babs. Moi pas avoir regret. J'arrive même plus à le lire tellement c'est pas français. Sujet, verbe, complément, mec. Merci toxique. Merci tout le monde. Moi avoir beau souvenir. Moi avoir été heureux. C'est ce que je pensais avoir avant de me faire bip par ce combat de merde. Ah ouais, il est rentré dans le turbo Megazord là. Ah ouais, d'accord. Non, mais il avait dit toute la mine, il n'y a rien du tout là. Au charbon connaît un nouvel âge d'or. Hein. Mais t'avais augmenté un peu tes troupes, Scorpio? Hein? Qu'est-ce que je fais là? La fête est finie? Ouais, c'est un petit peu... Il y a un petit côté Minecraft, Vador. Babs, oh ma petite chérie, ce que je suis content de te voir. Qu'est-ce qui vous prend à tous? Il s'est passé quelque chose ou quoi? Une minute, où est Bougre d'or? Il est dans le bar. En l'honneur du retour tant attendu de Babs et de l'âge d'or, les habitants de Charbon organisent une grande fête qui dure jusqu'au bout de la nuit. Pendant que Barnabé sert du tonique piquant à tout le monde, les mineurs se disputent pour danser avec Babs et lui raconter leurs exploits. Virevoltant de bras en bras sur scène, Babs ne peut s'empêcher de penser à Bougre d'or qui s'est sacrifié pour la sauver, ainsi que cette île à laquelle elle tient tant. Puis, le soleil se lève.